Je suis arrivé en Russie il y a 20 ans pour un échange universitaire et j'ai découvert une ville qui était fascinante mais qui était peu développée puisqu'elle sortait de la période soviétique. Il n'y avait presque rien, ni restaurant, ni bar, ni lumière dans les rues. Et en 20 ans, il y a un débordement d'énergie, un bouillon qui a fait que cette ville est devenue une ville incroyable. Je suis maintenant responsable d'une vieille usine de montres qui a 300 ans d'âge, l'usine de montres Raketa. Elle a deux marques historiques, Pabieda fondée par Staline en 1945, Raketa fondée par Yuri Gagarin en 1961. Et je suis responsable de développer cette usine, de la diriger, mais particulièrement aussi de m'occuper du design. Ce sont des marques avec de l'histoire russe et j'essaie d'être le plus discret possible avec mon côté français. Ceci dit, le côté français que j'ai peut-être apporté, c'est de dire à mes collaborateurs russes: c'est un trésor qu'on a, il faut qu'on en prenne soin, il faut qu'on le développe, et à quel point il fallait communiquer sur ces marques, à quel point il fallait les protéger, en conservant l'ADN russe de cette usine. Je suis Jacques Fonpollier et j'habite à Moscou.